Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est mardi, je vous ai pas pris hier parce que je suis partie sur plaisir encore une fois. Je suis retournée chez Primark et tout. Donc qui dit retour chez Primark dit... Encore un haul, oui, il y a un nouveau haul qui va arriver. Je vous reprends là vite fait, je suis en t-shirt et tout ça, je suis propre, hein, je suis lavée, mes sous-vêtements. J'ai mis un long t-shirt parce que là je vais passer une partie essayage, la partie essayage de mon prochain try-on, ma prochaine vidéo Shein, voilà. Donc comme d'habitude je m'organise, je mets tout sur le lit, j'assortis entre guillemets des vêtements pour essayer de faire un look. Et voilà, donc du coup là je vais passer à la partie essayage. Je vais faire ça ici dans ma pièce YouTube. Je vais passer à la partie essayage. Ensuite je vais me maquiller parce que là j'ai une tête. Et je vais passer à la partie je filme la vidéo. Voilà, et je vous reprendrai après. C'était juste histoire de faire l'ouverture du vlog. C'est tout. C'est mieux avec du make-up, n'est-ce pas? C'est bon, j'ai fini de tourner ma vidéo. Là, il est midi 42. Je vais manger. Hier, j'ai fait, dans mon cookie au comme toujours, j'ai fait comme une espèce de ratatouille. Mais revisité. Avec des pâtes. Donc, il m'en reste. Je vais manger ça ce midi aussi. C'était très, 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 très bon. Donc, voilà, j'ai fait ça. Hier soir, et je voulais vous montrer parce que du coup, hop, je vous pose ici. Vendredi, je suis partie, vendredi dernier, moi je vous ai quitté jeudi comme d'hab. Vendredi dernier, je suis partie à Leclerc avec ma mère à Chartres, à Bajoui, et j'ai trouvé des coca. Il y a la machine qui est en train de tourner parce que qui dit All Shein dit après on fait des lessives. J'ai trouvé des coca bien spécifiques. Alors celui-là j'ai déjà bu. C'est un coca à l'érable du Québec. Érable du Québec. C'est super cher. La bouteille c'est 2,50€. Sinon le pack de 6 je crois. Ou 4, c'est 9€ et quelques. Bref, c'était très bon. J'ai gardé la bouteille exprès pour vous montrer. Ça avait un petit goût fumé. Et j'ai trouvé également... Celle-ci, je ne l'ai pas encore bu. Alors, si vous êtes coca-alcoolique, hein, vous allez voir. Et j'ai trouvé aussi à la framboise de la Colombie-Britannique. L'autre, le bouchon était bleu et ça, c'est rose. Voilà. Donc ça, je n'ai pas encore touché. Et j'ai trouvé aussi, toujours chez Leclerc à Marjouville, j'ai trouvé cette fois-ci, c'était dans une bouteille en plastique et c'était écrit tout en chinois. C'était à la pêche blanche de Chine. Ça j'ai déjà vu, c'est dans la poubelle. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais vous montrer ça, hop, avant de plus les avoir. Comme ça je vais pouvoir également jeter la bouteille là. J'aime pas du tout du tout mon style aujourd'hui. J'ai mis ce pantalon, c'est la première fois que je le mets et finalement je l'aime pas. Voilà, par contre ce top je l'aime bien. Ça vient aussi, les deux ça vient de chez Chine. Mais non, finalement, ou alors peut-être parce que je suis pas bien assortie. Bref, généralement quand je tourne, je mets un bas vite fait quand je reste à la maison. Ah, ça y est, la batterie clignote. Donc voilà, ça va aller au recyclage. Regardez sa tête. Qu'est-ce que c'est à toi? T'aimes trop quand il y a la machine qui tourne. Elle adore la salle de bain, Mina, parce que à chaque fois je mets de la javel et tout, en plus ce week-end j'ai fait le grand ménage et tout ça, enfin comme tous les week-ends je nettoie ma baignoire, mes lavabos et tout, et du coup je mets de la javel dedans et elle adore ça, ça la rend dingue. Oh, j'ai encore fait un poufou. Donc voilà, ce week-end rien de fou, je suis pas sortie, je suis restée à la maison. Il y a juste, je vous ai dit vendredi, où je suis allée en course avec ma mère à Barjouville. Voilà, on est parti vite fait chez Action, j'ai rien acheté de spécial. Voilà, après ce week-end, ça a été quoi? Ça a été mes repos total ce week-end. J'ai regardé la dernière saison de You. C'était long, c'était un peu long. Franchement, je pense qu'il n'y aura pas mieux que la première saison dans cette série-là. Là, je crois que c'est la quatrième saison ou la troisième?
troisième, je crois. Enfin bref, j'ai regardé ça, j'ai regardé plein de petits trucs comme ça sur Netflix et tout. J'ai commencé aussi à regarder sur le Prime Amazon la série LOL. Ouais, enfin c'est là. Enfin bref, je vous remets. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'expliquer. Vous avez vu, je parle que je finis même pas mes phrases. et donc hier, je vous disais, je vous ai pas pris. C'était pas prévu, enfin si c'était prévu, je savais que cette semaine je voulais retourner chez Primark parce que la dernière fois je vous ai fait un haul qui sort jeudi. Donc pour vous il sera déjà sorti, pour moi il sort jeudi. Je vous ai fait un haul Primark où dedans je vous ai montré plein de make-up et parce que je vais vous faire une vidéo spéciale make-up Primark. Et j'avais pas tout trouvé donc je me suis dit tiens je vais y retourner. Et finalement je suis retournée hier, j'ai retrouvé encore plein de choses et pas que du make-up. Donc je vais vous refaire un haul Primark, mais je vais pas le tourner cette semaine, je pense pas, parce que je voudrais incorporer aussi des produits MAC que j'ai commandés, mais la commande MAC arrive chez ma mère demain, et moi je retourne chez ma mère que vendredi, parce que vendredi c'est le jour où je passe mon scanner, voilà, donc vendredi, vous l'aurez compris, on sera pas ensemble, on se quittera aussi jeudi, parce qu'après j'aurai pas le temps et tout. Ça va être folle clos encore. Et puis ce week-end, samedi soir, j'ai une réunion coquine, on va dire ça comme ça, que entre filles, ça va être trop rigolo et tout, bref, où ils vendent des trucs, voilà, coquins, et oui, pas que, il y a de la lingerie, des huiles corporelles, des bougies, des trucs comme ça et tout, donc je vais aller voir, ça va être sympa, c'est chez... la sœur de ma cousine, de ma belle cousine du coup. Bah bref, c'est comme ma cousine mais pas ma cousine du coup, mais bon vous avez compris, c'est la sœur de ma cousine par alliance, voilà, en gros. Et du coup bah je m'entends très bien avec sa famille et tout ça, donc on y va samedi soir et voilà. Bon bref, de toute façon je vous en reparlerai la semaine prochaine de ça. Et voilà, donc j'irai chercher mon colis MAC que vendredi quand j'irai à l'hôpital. En attendant, je reste chez moi, voilà. Enfin bref, chez Primark, j'ai trouvé plein de choses. C'est pour ça que je voulais vous refaire un haul des pépites, des trucs. Je suis tellement contente de les avoir trouvés. Bref, programme de la journée, je vais monter la vidéo que je viens de tourner là, mais j'ai aussi, vu que vendredi j'ai pas allumé l'ordinateur, j'ai plein de mails, même les gens, mais je comprends pas les marques, vendredi je sais pas ce qu'ils ont fait, ils m'ont tous envoyé des mails, après ça a été le week-end, hier certes j'ai pas vlogué, j'ai pas travaillé parce que je suis partie à plaisir et tout, et ils m'ont tous envoyé des mails en disant vous avez eu notre mail, mais oui frère, attends, attends c'était le week-end, enfin bref, donc du coup je vais répondre à tout ça. Et voilà, ça va être déjà un beau programme. Mais d'abord, je vais aller manger. Nouvelle journée. On est mercredi. Oui, je suis bête. On est mercredi. Je vais là, il est 11h presque et demie. Je vais aller chez ma mère. Et il y a ma patate chez ma mère, effectivement. Donc c'est pour ça que je me dis oui, je suis bête. On est mercredi. Donc voilà, je viens de. Ce matin, j'ai mis du temps. J'ai pris vraiment tout. Mon temps. Donc programme de la journée, j'ai très envie d'aller chez le coiffeur. Il y a ma commande MAC qui va arriver ou qui a dû arriver là chez ma mère. Donc je vais la récupérer, comme ça demain je vais pouvoir tourner mon haul Primark plus MAC. Et après je vais pouvoir enchaîner avec la vidéo make-up 100% Primark et tout. J'ai l'air hyper bronzée dis donc. J'ai rien mis de particulier. Et voilà, donc là je m'apprête à partir. Je sais pas où est Mina. Je vous ai pas montré la parure de la semaine. Ah bah, he's here. C'est une parure que j'avais eue. Je pense que c'était le printemps dernier chez Leclerc. Donc ça vous pouvez mettre côté comme ça ou côté comme ça. J'ai préparé mes petites affaires. Aujourd'hui c'est tenue tranquille. J'ai mis un jean hyper oversize que même ma mère a dû couper tellement il était long. J'ai mis une petite paire de courtes. Attendez, parce que ça fait focus sur Canon. Ça fait longtemps que j'avais pas mis une paire de courtes comme ça. Enfin bref, c'est un jean que j'avais eu il y a un petit bout de temps sur Shein avec un bosie pareil de chez Shein. J'ai pris ma petite veste aussi.
et mon petit sac de chez Shein. Donc voilà, go, je vous reprendrai tout à l'heure sûrement. Et puis ces tipas. Moi je suis pas coiffée parce que je vais. Je vous ai dit que je voulais aller chez le coiffeur? Je vous ai dit ou pas? Oh là là, la beugance. La beugance. Je voudrais aller chez le coiffeur cet après-midi parce que j'essaie d'y aller à peu près tous les 3-4 mois. Parce que j'ai les cheveux très fins qui peuvent très vite s'abîmer. Donc là ils sont pas abîmés, mais je fais attention. Et pour info, en ce moment je vois trop de shampoings réparants, nanani nanana. Comble les trucs, répare les pointes. Si ta pointe elle est cassante, fourchue, c'est mort, ton cheveu faut le couper hein. Enfin bref, c'est un autre sujet. On y go. Hier bah, j'ai fait le montage, voilà, j'ai fini tôt hier vers 5h. J'ai fait tous mes mails et tout. Je vous ai pas dit, j'ai enlevé tous mes ongles. Donc hier j'ai refait du noir. J'ai enlevé tous mes faux ongles parce que j'avais arrêté de prendre mes vitamines parce que je pensais que c'était ça qui me détraquait le ventre, et au final non, pas du tout hein, parce que c'est encore pire. Et puis il faut que je prenne des vitamines, donc j'ai les ongles dans un état, et alors les presses en nail c'est super parce que ça les abîme pas et tout et tout, mais là je voulais vraiment repartir de plus belle, mais je vais recevoir de nouveaux presses en nail, donc je vous en parlerai très bientôt. Enfin bref, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Regardez ce chat dans son habitat naturel. Regardez la poussière qu'il a. T'es sale mon bébé. T'es sale. Et là on a un lutin. Un lutin qui va faire du basket. C'est bête parce que je peux pas montrer la tête. On voit que tes jambes. Il fait bon là du coup. J'ai pris le plaid. Et voilà. Dommage. Attends. Vas-y, vas-y, marque un but là, parce que là, je... fais gaffe à Sushi. Tu m'as dit quoi? Waouh. Attends. Là, je me filme moi, il croit que je le filme lui. Je peux encore aller chez le coiffeur. Et voilà. Non, c'est moi là, c'est ma tête, c'est pas ta tête. Parce qu'en fait, il marque à l'envers. Ouais, t'as été trop loin là. Il fait trop bon, j'ai quand même mis un plaid. Parce qu'il y a une petite braise. T'as dit quoi? Je suis partie me chercher dans le terrier. Ah là où il se frotte partout là. Alors attends, hop. Ah ouais non. Alors attendez. Mais tu vas trop loin là. Attendez, vous avez même pas entendu ce qu'il y a de me dire. Il me dit, oh, toi tu sais même pas le lancer. Hein. Mais là bébé, je suis pas en train de filmer. Mais tout à l'heure tu l'as fait du premier coup et là je sais pas, tu lances trop fort. Donc ça passe par dessus le truc. Ah les mecs. Les mecs sont... Bah voilà, c'est pas le bon ballon. Alors que depuis tout à l'heure, il a... Ah d'accord, ok. Les mecs ont toujours des excuses. Hein. Regardez ma petite panthère qui arrive là. Mon amour de moi. On peut montrer ma tête? Non, on peut pas montrer ta tête. Au 100 000 abonnés, on montre ma tête. Au 100 000, ouais, si tu veux, ouais. Oui, tu es beau. Non, au 30 000. Non, pas au 30 000. Non, 100 000, t'as dit? 50 000? Non. Il est tout seul. Bon, nous sommes sur une tarte au chambre, au fromage. C'est ça? Qui joue 4 fromages? Mais pourquoi il n'y en a pas 4 là? Ben si. Et du coup, t'as mis des œufs, 2 œufs avec de la crème que t'as battu avec du sel, du poivre. Ah ouais, tout ça comme gruyère. Miam, miam. Bah là, il n'y a que 110 alors qu'il faut 120. Bah tant pis. Bah il y en a encore là du gruyère. Non, ça c'est du comté. Ah, t'as pris comté comme ça. Et il est où le chèvre? C'est ça qui manque? Bah c'est le chèvre. Ça va être à la fin. D'accord. Donc là, elle remue tout. Et c'est tout. J'ai pas fini. Eh, t'en as foutu pas tout. C'est pas grave, tu as nettoyé. Alors. C'est bien gruyère. Ça pour remuer. Le comté, combien? Tu peux en mettre beaucoup. 60 grammes. Bon, tu mets tout là. Bah non. Moi je Eh ben écoute, je vais mettre. Je refais jamais les recettes. Il y a combien là? Eh ben c'est 87 grammes. Bon, on n'est plus à 1 gramme près. C'est pour compenser avec le gruyère. Ben voilà. Voilà. Et tu t'es en train de suivre une recette sur. Sur YouTube, moi ça là, je l'ai fait au hasard ces trucs-là. Miam, miam. Tu rajoutes pas d'épices? Non? Comment? Tu rajoutes pas d'épices? Non.
Pourquoi tu remues pas avec ça là? C'est mieux ça, non? Ouais, parce que ça va se prendre avec le gruyère. Et après Roquefort, tu mets combien? Après le Roquefort, on rajoute 60 grammes, mais il faut émietter au-dessus. Et il faut y disposer les... Après, oui, du chèvre, des rondelles. Ok. Regardez qui c'est qui est rentré, qui est tout sale. Il a été encore dans la terre. Ouais. On vous montrera le résultat. Et le four, t'as pas dit c'est combien? Ouais, 180 degrés. Pendant combien de temps? Bah, je l'ai mis à préchauffer, puis après c'est 30 minutes. Et là, c'est une pâte brisée. Hein. Feuilletée. Moi, je préfère la briser. Ben, c'est trop tard. Bon, on vous montrera tout à l'heure. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans le four. Et par contre, c'est pas ce qu'on a mangé ce midi. Nous, ce midi, on a mangé du ragoût. Quand on dit ragoût, ça fait ragoûtant comme ça. Est-ce que votre maman, elle a aussi ce calendrier de la poste des PTT? Ouais, donc quand on dit ragoût, ça a l'air ragoûtant. Mais en fait, le ragoût, c'est ma mère qui fait des boulettes. Elle fait des boulettes. Et après, elle fait cuire à la vapeur des patates avec plein de trucs et tout. À cocotte minute. Bah, c'est de la vapeur. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Et puis, voilà. Et c'est trop bon. Et donc, on a mangé ça ce midi. Ça, c'est pour quand? Et là, elle était en train de regarder les recettes pour le ramadan. Miam, miam, miam. C'est pour qui les gâteaux sur du ramadan? Amazon. Pour le ramadan? Non, je vais pas les faire. Pour qui les gâteaux du ramadan? C'est compliqué. Autant les acheter tout prêt. C'est vrai? Non. Je te promets, oui. Bon, vraiment, faut qu'on aille chez le coiffeur. Mais faut qu'on attende que ce soit cuit et faut qu'on attende que Colissimo arrive. On se retrouve plus tard. Là, il est 19h presque 30. Je viens de tout juste d'arriver. J'ai été chez le coiffeur. Bon, là, je suis décoiffée, clairement. Mes cheveux sont tout retombés en mode raplapla. Tout à l'heure, j'avais un super brushing. Vous voyez un peu la... mes racines qui sont hyper claires. J'aime pas du tout. Enfin bref. Du coup, en revenant de chez le coiffeur, je me suis arrêtée chez Biocop. J'ai repris un henné noir. Je le ferai demain. Voilà. Il fait nuit. Je sais pas où j'ai mis mon portable. Oui, il y a la petite qui court là. Je vais aller me déshabiller. Parce que moi, le kiff quand je rentre chez moi, c'est d'enlever mes bijoux, mes fringues et mon soutif. De mettre un grand t-shirt et de vivre ma meilleure vie jusqu'à ce que j'aille me laver et me démaquiller. Et voilà, mais là, je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Enfin bref, je l'avais tout à l'heure parce que j'ai appelé ma mère. Enfin voilà, donc je voulais juste vous reprendre là vite fait pour vous montrer... que j'ai été chez le coiffeur et on a quand même coupé ouais ça leur fait du bien. Donc voilà, j'ai reçu aussi ma commande Mac chez ma mère, donc demain je tournerai un haul que vous aurez du coup vous la semaine prochaine la semaine d'après. Oh, je prends de l'avance. Nouvelle journée. Il y a du level. On est jeudi. Il est presque 11h. Et je viens de poser mon henné. Voilà. Du coup, hier, je vous avais dit que j'avais acheté du henné chez Biocop. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais tester cette marque. Parce que d'habitude, c'est pas ça que je prends. Mais le magasin bio où je le prenais, mon ancienne marque a fermé. Enfin voilà, et voilà, c'est tout. Du coup, je vous ai pas montré l'étape, comment poser le henné, ceci, cela, parce que je vous l'ai montré un milliard de fois, et à chaque fois que je l'ai montré, il y a toujours quelqu'un qui est venu ramener sa fraise. Ici, franchement, on va nous faire une belle salade de fruits, avec des fraises. On dit pas ramener sa banane, sa pastèque... parce que ce serait meilleur dans la salade de fruits. Enfin voilà, du coup je l'ai posé comme ça, tranquille. On va voir ce que ça donne. Il y en a qui vont me dire, mais Marie, t'avais les cheveux colorés et tout. Oui, alors si c'est un henné végétal, normalement il n'y a pas de souci. De toute façon, mes cheveux décolorent à une vitesse. C'est un truc de dingue. Ils tiennent pas trop la coloration, mes cheveux, enfin ils tiennent pas.
C'est pas qu'ils sont en mauvaise forme ou autre, hein, au contraire, ils sont en très bonne forme justement. Mais ça dégorge très vite, elle est colo sur moi. Donc voilà, j'ai mis ma tenue de compète, c'est la tenue avec laquelle je fais la peinture, comme vous pouvez le voir. Hier, je vous ai pas montré le résultat de la quiche, la tarte, c'est la même chose, non? Et bah, parce que j'ai oublié, et puis bah, on l'a mangé, et c'était très bon. Enfin, j'en ai mangé le soir et c'était très bon. J'ai oublié de vous montrer ça. Mais c'est pas grave, vous avez vu avant le chauffage. Après, c'était juste plus doré. C'est tout, mais c'était très 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 bon. Donc voilà, ce matin, je devais faire plein de choses. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me... Alors, je me suis réveillée tôt, je me suis réveillée, il était même pas 7h. Mais après, j'arrivais pas ce matin. Depuis ce matin, je marche au ralenti, mais un truc de malade. Et quand c'est comme ça, bah malheureusement, voilà quoi. Et du coup, je me dis, bah c'est pas grave, je vais poser mon aîné. De toute façon, il faut que ça pose au moins 3 heures. Donc, on va laisser ça toute la journée, tranquille. J'ai sorti mon ordi. On va faire le montage du vlog, parce que je vous ai dit que j'arrêtais aujourd'hui le vlog. Parce que demain, je suis pas là. Je passe mon scan demain. Je regarde là-bas parce qu'il faut que je prépare les papiers. Enfin, il faut que je prépare les papiers. Enfin, bref. Et puis, c'est tout. Et puis, ouais, donc demain, j'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous en plein milieu de l'après-midi. Et voilà. J'ai rendez-vous à 15h40. Il faut que je sois vers 15h à l'hôpital. Il faut que je sois à jeun 4h avant. Ça m'arrange pas. Enfin, c'est pas grave. Je vais arrêter là, je vais aller faire le montage et puis tant pis, les vidéos que je voulais tourner ce matin, le haul notamment, je le tournerai sûrement dimanche ou lundi. Enfin, de toute façon, c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pour la semaine d'après. Donc j'ai encore le time, c'est juste que j'aime bien prendre de l'avance. Donc voilà, tranquille le chat. Hein, tranquille le chat toi? Est-ce que vous voyez cette merveille? Tranquille les chats? Enfin voilà, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Ça aurait été un vlog sur 3 jours, il n'y aura pas eu grand chose. Mais c'est pas grave, c'est ma semaine qui était tranquille et... Oh, pourquoi j'arrête pas de dire ça à chaque fin de vlog. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.